Salut, station fréquence, les monsieur Tracy côté à vous tous de la part de Dati 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée. Tous armés, attention, nous passons par une unité sur le pont d'Aquitaine, tous armés. Eh ben t'es, tu dois être certainement derrière moi alors. Bah écoute, je sais pas, j'ai rien avec les cahiers en planche en fabrique, moi je suis en plateau, là, juste devant, je suis dans la descente, là, dans la direction de Mérignac. Ok, bah alors je suis derrière toi. Ah, ok, bon, pour ça, ok. Ça se perd la civile dans le coin, là. Ben, disons que les habitudes ont un petit peu changé, et les stations se mettent plus sur leur canal habituel, et du coup désertent un petit peu trop le 19. Et c'est bien dommage. Bah tiens, je suis 100% d'accord avec toi, ouais, c'est sûr, oui. Et puis tu vois, c'est aussi le problème, c'est que ben, maintenant avec le système qui est en illimité, pas gratuit, mais bon, qui est en illimité, ben voilà, il n'y a plus personne en France pour les radio-visagers du temps. Ah, c'est vrai que le 600, le GPS, Internet ont enfermé les gens dans une espèce de bulle. Ça les a rendus complètement individualistes et pour le coup, ils ne savent plus prendre le micro pour parler avec, avec d'autres. Ah, c'est toi qui as gagné avec le fond de l'emploi. Alors moi, je suis en push. Voilà, c'est, je suis derrière toi, donc tu ne me vois pas encore. Dès que je pourrai, là, je crois savoir où tu es, là, c'est, ouais, tous les coups, c'est le mille pattes, là, qui est quelques voitures, là, devant moi, quoi. Bah, écoute, là, je suis en train de tourner direction, je vais sur Baïkalan, là. Ah, bon, alors, c'est pas toi, là. Moi, je suis avec un petit Duster blanc, quoi, avec l'antenne au milieu du toit, mais bon, visiblement, t'es déjà passé. Merci beaucoup, les 1351 à toi, bonne journée, bonne route et à plus là-dessus. Ok, bien sûr, les 1351 à toi et bonne journée. Ok, Santiago Unité 6, les 1351 à toi de la part de Dandy 33 et bonne journée. Ok, ciao. Ciao. Attention, Daniel Senteur pour Dandy qui t'appelle. Oui Daniel, les bonnes sont 13:51 à toi, comment vas-tu? Ah ben c'est un bon week-end qui vient de satisfaire, hein. J'ai débauché enfin un billet à 19h30 et puis voilà, je vais faire son affaire. Ah ouais, t'as bossé ce week-end? Oh merde! Non, j'essayais, j'étais à côté de la maison à Saint-Tobé, là, sur le domaine. D'accord, ok. En fait, est-ce que tu m'entends bien là ce matin là? Oui, là, tu me fais passer du 7 points là. D'accord, ok, parce que du coup, j'ai dû prendre le poste que j'ai habituellement dans ma station pour expédition car j'ai un petit souci avec le 3009. J'étais chez les beaux-parents, hein. Là on a cassé la croûte là, hier midi chez les beaux-parents, voilà, on a juste fait l'aller-retour. Ok, pas le beau-parent, retour, parce que tu m'avais dit, je sais que tu devais aller par chez eux là-bas. J'ai voulu amener le matériel radio, la ligne et tout là, et puis le souci, c'est que je n'ai pas pu installer même les antennes. J'avais fait, tu sais, l'antenne scopisée et tout, mais je sais que pouvoir la monter sur un arbre, après les branches, c'est vraiment très rare, alors impossible de pouvoir. Impossible de pouvoir réinstaller cette antenne. Là. Et j'avais même amené un petit filaire, mais.
bon, même la titulaire, le souci c'est que je n'ai pas assez de coaxial pour alimenter les antennes. Ah oui, d'accord. Tiens, c'est marrant parce que de mon côté, j'ai entendu un peu quelques trucs, l'Amérique du Sud, ces coins-là, là, sur la route. Ah oui, non, mais moi, je te parle d'hier, hein, mais je sais pas. Écoute, moi, je paye là, du domaine, j'en ai entendu. Voilà, c'est pour ça que j'y étais en plus, c'est propice, et tout. Le souci, c'est que j'étais. Il m'a battu des longueurs équatoriales. Voilà, puis après d'être trop long, c'est pas trop grave non plus. Alors, écoute, tant pis, c'est pas grave, j'ai essayé de faire avec les antennes mobiles. J'avais même le pocket, le webcam, là, en VHF, là. Même sur les bandes de transport, que j'ai posé à la maison sur l'antenne, c'est pareil, j'ai pas entendu le relais, la France Condor qui se signale d'habitude. Attends, voilà, j'étais en train de passer les vitesses en même temps. Tiens donc. Ah, ok. Ouais, alors, du coup, là, dans le push, eh bien, c'est le 6009 là, que j'ai branché, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je te demandais là, comment ça passait, mais bon, vu ton report, c'est plus que mieux, quoi. Ah oui, il n'y a pas de soucis, Mais t'as le micro d'origine, là, non? Non, le 6009 côté micro, il est très faible, hein. Et c'est un micro préampli que j'ai dessus, là. Ah oui, on a dit un micro d'origine, c'est pour ça, parce que j'ai pensé que c'était un micro d'origine. Parce qu'effectivement, la radio est un peu faible, hein, par rapport à l'autre qui est beaucoup plus percutante, là, tu me fais un excellent signal, mais une radio plus faible. D'accord, donc il faudra que je regarde le réglage interne de ce micro, car ça se fait à l'intérieur. Attends deux secondes, j'ai un rond-point. Ok, voilà. Ouais, il faudra que j'étais pas assez poussé, hein, le micro, c'est possible aussi. Hein, là, faudra que je rate ça. Mais bon, de toute façon, il faut un tournevis là pour pouvoir l'ouvrir. Donc déjà, là, je pourrais pas voir ça maintenant. C'est pas la peine. Je verrai ça au QRA. Et puis, si je vois qu'il est à fond, ben, je verrai dans ces cas-là pour piquer le micro préampli là, de l'autre poste. Et le rebrancher sur celui-ci, quoi. Ah ben c'est le brochage le même, il n'y a pas de souci que de votre tu le mets sur celui-là. Mais après, bon, bien sûr, si c'est pas le même, c'est quoi, celui-ci rouge que tu as sur les deux postes ou c'est du quoi? Je crois que c'est un 5 broches, il me semble. Ah oui, d'accord, oui, 5 broches. Le 6009, oui. 6009, c'est pas ainsi, ça, par contre. Attends deux secondes. Attends deux secondes. Je suis dans le rond-point aussi, là. Bon voilà, je suis un petit peu trop en avance, mais bon c'est pas grave, je suis sous le parking, je vais attendre ici quoi. Non, le 3009 c'est un 4 broches, le 6009 il me semble que ça doit être un 5 broches, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça quoi. Ok, bah, mais moi il va falloir que je recommande des broches parce que le micro que j'ai acheté à Radio Brook, le problème c'est que j'ai que ce micro à prix, mais même après le micro d'origine, pour mettre sur le Lincoln. Donc il va me manquer, comment te dire, de prise pour pouvoir, parce que le micro d'origine, je vais le laisser, je n'y touche pas. Après j'ai l'autre petit micro, effectivement, ah oui, je peux récupérer sur l'autre petit micro. Voilà.
ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas ça. Ouais, là, ça percute bien de mon côté, hein, en tout cas. Hein. Là, au niveau de la M, ça marche bien. Hein. Après, en BLU, je sais pas, mais là, en AM, il passe bien. Hein. Là, plus ça va juste avec la petite antenne. Hein. Voilà, parce que comme elle est bien plus souple et tout ça, donc pour les données et tout, c'est bien plus pratique. Et puis bon, comme je te disais, c'est vrai qu'elle marche pas trop mal. Au niveau réception ou émission, elle marche bien, cette petite antenne. Mais bon, voilà. Enfin, c'est pour ça que... Non, t'as pas, oui, non, c'est pas là que t'as pas été faire le repérage. T'as été juste chez les beaux-parents, là, celui, hier. Ouais, c'est tout, c'est du 57, voilà, de mon côté. Mais là, je suis pas monté plus haut, je suis pas monté à Port-des-Barques. C'était juste gastro-solide pour le lundi de Pâques chez les beaux-parents, quoi. Oui, 73 de l'estation, donc elles sont avec Gandhi 33, excusez-nous. Ah bah, de toute façon, c'est pas bien compliqué, hein. C'est la salle des fêtes ou la salle polyvalente de Port-des-Barques. Hein. Là, tu regardes sur Google Maps, tu zoomes un peu dessus, tu vois que c'est un petit peu calé entre, ou plutôt c'est à côté de deux terrains de camping, et puis en avant roule. Hein. De toute façon, c'est à l'ouest de Rochefort, sur la côte. Donc là, c'est assez facile à trouver. Hein. Non mais c'est d'accord, ok, ami, non, ça je l'ai trouvé sur des barques. Ça je l'ai trouvé, il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a, oui, voilà, parce que moi j'ai vu là où était la mairie, tout ça, c'est, je parle d'un peu aussi, hein. Parle d'un peu, donc j'ai vu là où était la mairie, mais j'ai pas fait gaffe aux deux terrains de camping. Donc je vais essayer de trouver les deux terrains de camping, je vais me refaire une recherche et puis après je serai sur la salle. Ok, d'accord. De toute façon, moi, mon but en allant là-bas, c'est de jeter un petit peu les environs, voir un petit peu ce qu'il y a, ça, tâter un petit peu le terrain, voir un peu aussi où placer la remorque avec l'antenne dedans. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Écouter un petit peu en fréquence, voir un petit peu, surtout au niveau QRM et tout ça, si c'est relativement propre. C'est voir à quoi s'attendre, quoi, en gros, quoi. Tout à fait, oui. Puis voir si on ne sera pas caché comme il y a eu, comme on était à Marennes. C'est vrai que ça sera, à voir. Il faut sculpter tout ça, là. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça, oui. Puis en plus, ça m'a l'air moins pavillonnaire. Il y a l'air d'avoir plus de... Comment te dire, plus d'espace, je dirais, au niveau... les maisons, ça a l'air d'être des maisons basses. Beaucoup de maisons basses. Donc, voilà. Puis en plus, on n'est pas loin de l'eau, plus près que Marlène. Donc ça peut être un avantage aussi. Ouais. De toute façon, les bords de mer, hein, c'est bien souvent des maisons basses. Hein. Je suis en train de regarder l'heure, là. Bon, je vais passer QRT. Je vais t'envoyer. T'as entendu des stations derrière? Ok, ben s'ils m'entendent, des 1351 à eux, de la part de Dandy 33, voilà, sur Mérignac. Daniel, je vais t'envoyer des 1351, te souhaiter une bonne journée. Paraît-il qu'ils ont annoncé de la flotte, là, aujourd'hui. Et je te dis à plus. Demain, pour moi, ce sera la même punition. Hein. Achi. Ok, Rémi, pour moi aussi, jusqu'à vendredi, là, je suis puni. Hein. En fait, de toute façon, jusqu'à fin juin. Ok, Rémi, allez, bonne journée à toi. Et voilà, donc, bon courage aussi. Bon, je sais, c'est pareil, là, je suis arrivé, là. Dans une minute, là, j'y suis, là, je... Ok, Rémi, allez, bonne journée, 513 à toutes les stations de Saint-Père, à Mobile, direction Martignas, 513 à tous.
Ok, tiens, c'est marrant, moi aussi, je suis coincé ici jusqu'à fin juin. Ok, à plus. Attends, voilà. Lundi. Alors lundi, ben, on est allé manger chez les beaux-parents, lundi midi. Ah oui, affirmatif. Ok, t'as poussé jusqu'à où tu voulais aller voir pour le salon. Daniel m'a posé la même question ce matin. Ah, chie. Non, j'y vais là pendant au mois d'avril. Là, je vais être en vacances. Et donc avec la voie des ondes, on va grimper là-haut, aller voir celle plus près. Et si je peux, si je vois la salle d'ouverte, j'essaierai de m'infiltrer un petit peu pour voir comment c'est à l'intérieur. Ok, ok. Des questions, j'ai eu aussi là, sur le forum, il y a un petit poulet, quoi. Ah, j'ai pas vu ça. Non, j'ai vu que t'avais mis un petit message, ou je sais pas quoi. Ah non, d'accord, à propos de Facebook. Ouais, je sais plus trop à propos de ce que c'était, et puis j'ai dit bien, à mon avis, il s'est fâché ou quoi. Non. Non, disons que, toi, le matin de bonne heure, comme ça, tu jettes un petit coup d'œil vite fait, et c'est casse-pompe dessus de tomber sur des pleurnicheurs, quoi. Des gens qui passent leur temps à se plaindre, ceci, cela, qui sont jamais contents. Oh merde! Qu'ils aillent au diable! Putain, mais, toi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens, ça leur est plus facile d'être négatif que positif et avancé, quoi. Pour contacter tout le monde, c'est pas possible, hein. C'est déjà mieux, hein. Ouais, attends, je suis sur un rond-point. Attends, voilà. Ok, voilà. Ouais, bien sûr, mais bon, t'as toujours les éternels pas contents, quoi. Les éternels pas contents de la vie, pas contents de... Au bout du compte, est-ce qu'ils savent pourquoi, au moins? Bon, faut pas y faire gaffe, hein. Tu dis, à force, c'est vrai qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, il y en a qui seront contents, d'autres qui seront pas contents, mais faut faire avec, t'inquiète pas, hein. Oh là là, faut pas que tu t'embêtes avec ça, hein. Non. Non, je te rassure, mais bon, c'est vrai que... Le matin, comme ça, là, au réveil, juste avant de partir, un petit coup d'avis de fait, ça fait bizarre. Non, bien sûr que je me suis pas attardé là-dessus, loin de là, quoi. Non. Là, mais... Oui, voilà, je reviens à Port-des-Barques, voilà, ça sera nettement plus intéressant. Donc, là, dans quelques jours, enfin, je sais plus, je sais même plus quand j'ai posé les vacances. Hein. Enfin, bon, bref. Donc avec Fabienne, on va monter, on va passer la journée là-haut, on va manger, on va se faire un petit resto, là, quelque chose comme ça, là, par là-bas. Et puis comme ça permettra de visiter le coin, de voir un petit peu les abords de la salle, les possibilités qu'il y a là pour mettre la remorque avec avec l'antenne. Et si par hasard je trouve la salle d'ouverte, eh bien jeter un petit coup d'œil. Là, pour voir un petit peu comment ça se présente, quoi. Histoire de déstresser un petit peu Pascal en même temps, car aujourd'hui, justement, il me mettait sur Facebook, sur le forum, comme quoi là, il stressait par rapport à ça, quoi. Hachi. Ah, ouais, d'accord, ok. Deux petites choses, tant que j'y pense aussi. Cet après-midi, pour info, j'ai contacté le Mali, tu vois, j'avais jamais fait le Mali, encore jusque-là, et impeccable, la région, c'est Gao au Mali, tu vois, et 57 là-bas, c'est pas mal, hein. Le Mali? Putain, et après, oh putain la vache, vers quelle heure? Il était 15h, il y avait l'activation là-bas, et puis je me rappelle plus du prénom de l'opérateur, hein, mais il donnait des numéros progressifs et tout ça, tu vois, hein. Et puis, c'est 57, je me recevais là-bas.
c'est intéressant, hein, ça passe bien. Ah oui, je vois ça, hein, putain la vache. Ça c'est la première chose, et la deuxième, faudra que tu dises à Chameau que ce que je lui ai promis, c'est prêt, quoi, quand il voudra, hein. Ouais, comme il voulait m'avoir au téléphone, je pense, où on fréquence lundi soir, et du coup, ben, j'ai pas pu, parce que, bon, ben voilà, hein, ce matin, il fallait que je m'aime de bonne heure, quoi. C'est 4h30, moi, en ce moment, le matin. Hein. Ouais, affirmatif. Par contre, tu lui diras que, avant qu'il installe, il faut régler son poste, hein, parce que sinon, il va tout crever. Oui, d'accord, je vois. La boîte à propague, c'est ça? Voilà, affirmatif, voilà. Ouais. Là, ça fonctionne bien, mais faut pas qu'il attaque, pour avoir un AM, il faut pas qu'il attaque à plus de 4 watts. Et 4-5 watts, grand maximum. Un AM, et en USB, c'est 8 watts, maximum. Ouais, vaut mieux tirer peut-être les chiffres un peu vers le bas, en cas où il y aurait un peu de tosse. Si c'est bien réglé, ça va pas bouger après. Mais c'est surtout qu'après, s'il veut arriver à sortir quelque chose de correct en puissance, parce que si faut lui donner quand même, si tu les mets en dessous, si tu mets que 2 watts, pas un problème, et puis que tu les mets que 4 watts ou la moitié à l'attaque pour le. Il va pas faire des grosses. Ouais, d'accord, mais bon, tu vois, moi, je rentre à 50% hein, dans les biens. Hein. Et c'est grandement suffisant. Hein. Ah ouais, mais tu l'exploites pas à fond au niveau puissance. Alors, hein. Moi, j'en ai bien, j'ai fait sortir le maximum, hein, et ça bouge pas. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Par contre, ouais. En sortant justement la boîte à propague là, de la boîte expédition, j'ai pensé que ça allait me faire moins de bruit là au niveau du mini ventilateur qu'il y a dessus. Putain, c'est l'inverse. Non, mais ça, il faut que tu les changes. Il faut que je pense à t'envoyer les liens là. J'y ai pas pensé. Faut pas que je te l'envoie là. Mais par contre, je sais pas si j'ai ton Tu sais pas si. Attends, j'ai pas compris. Je sais pas si j'ai ton adresse. Ok, je te la ferai passer. Ouais, tu me l'enverras par SMS, comme ça je l'aurai, ton adresse mail. Et puis après, dès que tu l'auras reçu, je t'enverrai le lien. Bon, moi j'ai acheté le petit lot, mais c'est pas très cher, et ça va là, je casse. Attends, putain, je suis sur le rond-point. La vache, il y a un monde. Oh putain, oui. Ouais, donc je te disais, faudra que. J'ai prêt, hein, là c'est là, hein. C'est pour, il est protégé, il y a tout, machin, donc ça. Faudra le monter, voir comment ça marche, et puis lui, le rouvrir, parce que sinon, si il le branche comme ça, son poste, il va tout cramer. Bah bien sûr, ouais. Surtout qu'il n'a pas l'habitude, et puis il va falloir qu'il arrive à différencier l'AM de la BLU, là, sur le dessus, quoi. Ah ben, il peut pas se tromper, c'est marqué sur les boutons, hein. Ouais, mais bon, est-ce qu'il va y penser? Ah ben, il va, hein. Franchement, s'il passe pas, quand il va appuyer, ça va faire clac, 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 clac. Ouais, il y a des chances, oui. En plus, il y a le risque qu'il le laisse en M et qu'il attaque en BLU. Ah ben, c'est pas pour lui après, s'il travaille bien. Faudra bien qu'il s'y mette. Ah, ça c'est sûr, oui. Ah, oh, puis là, ça va lui faire sortir au moins 160 watts en BLU. Voilà, ça y est, c'est bon. Je suis rendu sur la rocade. Ouais, oh oui, ça devrait, hein.
putain, c'est bouché. Voilà les panneaux là que je viens de voir là. Ah, cette heure-ci, non. Encore ça va. Toi, pour l'instant, je suis à 70. Ah, on va passer à 80. Ah. Putain, j'y crois pas, gars. Bon, en tout cas, au niveau signal, là, en BLU, ça doit mieux passer quand même avec celui-là. Ok, je disais au niveau signal, enfin, avec ce pas, ça doit mieux passer quand même. Non, mais pour l'instant, ça va très bien, ça va mieux que l'autre. Ben oui, je sais plus combien il sort en BLU, mais bon, je sais que c'est plus que l'autre. Ah ouais, puis la radio est plus jolie, je trouve. Hein. Ah ben ça va avec le calage en fréquence en même temps. Ouais, non mais là, pour moi, je te dis, c'est nickel. Là. Et voir un peu plus loin après, quand tu vas passer sous les piles de pont et tout ça, mais je te dis, t'as le temps beaucoup. Hein. Oh ouais, bien sûr, ouais. Non mais de toute façon, ça m'étonne pas quand même. Mais, et pourtant, si on parle juste modulation, juste la radio, c'est quand même, ça serait quand même plus percutant avec l'autre. Pas pour le moment, je trouve que c'est bon, hein. Plus percutant, je sais pas. Mais là, je te dis, bon, t'entends bien. Ouais, bien sûr, hein. Mais ce qu'il faut que je vois, c'est, comme je disais tout à l'heure, où en est le réglage interne là, du pré-ampli. Et ben, s'il est déjà à fond, il faudra que je teste avec l'autre micro pré-ampli qui est sur le 3009. Voir si des fois ce serait pas meilleur. Ouais, de toute façon, c'est un 80 aussi. Ouais, mais pas le 6009. Le 6009, c'est combien, je m'en rappelle plus. Il me semble que ça doit être un 5, je crois. Mais bon, peu importe, c'est pas un problème, ça. Ouais, de toute façon, tu te sers que 2-3, hein. T'es dans la code 3 connecté. Ouais, il me semble que. Ouais, c'est ça, de mémoire, oui. Ah, de l'émission, 3, ça vient. Et puis de toute façon, les fils sont hyper faciles à trouver, hein. Enfin peu importe le nombre de broches. Hein. Déjà, bah, la tresse, c'est la première qui est facile à retrouver. La pastille du micro, bah, c'est le fil qui passe dans la tresse. Puis après, bah, c'est le fil de la pédale PTT, et puis voilà. Hein. Ah, de toute façon, là, ça sera vite vu. Hein. J'ai le schéma, là, de toute façon, là, à la maison. Ouais, je vais l'avoir à la maison aussi. Hein. Ouais. Quand tu vois ça avec le charbon, ouais, parce que je te dis, là, le truc. Ah mais j'y pense, il est peut-être derrière, parce que je crois que, il me semble qu'il m'a dit qu'il serait là à 5h10, là en fréquence, donc peut-être là qu'il est à l'écoute derrière. Ouais, Charo, est-ce que t'es là? Oui, mais pas sur celle-là, d'habitude on n'est pas sur celle-là. Ouais, c'est ce que, pendant que j'étais en train de sortir mes conneries, c'est ce que j'étais en train de réaliser, quoi. Ah bah c'est clair, hein. C'est sûr, oui. Et là, je suis sûr qu'on va l'entendre après. Tu m'étonnes. Bon, ça s'est bien passé la journée, c'est pas trop remonté, ça. Non, ça va, c'était calme. Hein. De toute façon, là où je suis, si ça devenait mouvementé, c'est qu'il y aura peut-être un souci, quoi. Ben, ça y est, là, t'es à l'arrêt, là, non? Ah, je suis à 600 mètres de la sortie 7. Ah, ouais.
Ça roule un petit peu, ça va bien. Ouais, voilà, ouais. Le Bousca, sortie 7, voilà, 600 mètres. Ouais, ouais, bon, ça arrive à rouler quand même. C'est mieux que... C'est vrai que je me suis vu des fois mettre 1h45 pour rentrer. Hein. Alors que le matin, je mets simplement 55 minutes pour venir. Ah bah oui, il est content de son installation dans le bush, tout va bien. Il est content de son installation dans le bush. Ah ouais, bah disons que j'ai l'impression qu'on aime, ça marche mieux que pour lui qu'en BLU. Ouais, bah disons, s'il est content, je sais pas, moi je serais pas satisfait. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on aime, je l'entends bien. Hein. Ah, ça, c'est certain, oui. Non, il faudrait que lui, il fasse un petit quelque chose. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, de toute façon, c'est sûr qu'il faudrait jeter un petit coup d'œil là, à son installation là, au niveau du push. Là, qu'on comprenne un petit peu mieux, quoi. Oui, parce que c'est pas irrémédiable, hein. Non, surtout au niveau 6 bits, ça, il n'y a rien de plus facile. Hein. En plus, l'Intel, hein, ça doit être beaucoup plus percutant, hein. Oh, ouais, je pense, oui. Parce que lui, il a laissé l'origine, hein, je suppose. Alors là, je sais pas. Ah, on veut pas qu'il touche. Ah lui non, non non. Sinon il va nous en faire un mixeur. Alors d'après mes plannings prévisionnels, jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. A priori, oui. Après, je sais pas, les plannings ne sont pas encore sortis. Surtout qu'on est à Bordeaux, ça tombe bien, quoi. Ah, la feuille, tu la sors de ta connerie, quoi. Ah, chie. Il y a un poste qui a l'air de marcher pas mal aussi. Je pense qu'il y en a un aussi, c'est le dernier qui l'a sorti, là, le CRT, là, le 9009. Alors, j'ai vu des OM qui avaient des problèmes de chauffe avec. Hein. Et ouais, il a tendance à vite se transformer en chaudière. Par contre, il y a le 7000 quelque chose là qui est sorti là. Là, je sais pas trop. J'ai pas eu d'infos sur celui-ci. Quoi. Ouais. Mais le 9009, il peut y mettre un petit ventilateur. Il y a des petits ventilos que tu peux mettre au cul. Voilà. Ouais, bien sûr, mais bon, d'origine comme ça. Il a tendance à chauffer un petit peu. On comprend mieux là pourquoi il y a un tel radiateur dessus, quoi. Ouais, ouais, mais en plus, est-ce qu'il ne tire pas trop dessus non plus? Parce que celui-là, il sort 60 tonnes, après. Ah, peut-être, ouais, peut-être en permanence, ouais. Puis vu que c'est beaucoup trop compact, ces postes. C'est, vu la puissance que ça dégage, moi je trouve ça trop petit, quoi. Jackson, hein. Ouais, bien sûr, je suis bien d'accord avec toi, mais et encore, faut voir comment est le radiateur, comment il se présente. Parce que là, c'est peut-être pas gagné aussi, hein, suivant le modèle, ce qu'il y a dessus, quoi. Il y a un petit radiateur qui font, je sais pas moi, je sais pas comment ça mesure, le machin, exprès, là. J'en ai vu déjà. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Après, moi, j'ai tenu mon pote qui en a un, lui, il a
avec un casque directement et pas de jugement particulier. Ok, ouais, c'est vrai que, parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui, justement là, qui, les messages sur internet, quoi, comme quoi, bon, il avait tendance à être, à chauffer un peu trop, quoi. Ouais, après, c'est la version, les gens, parce que si c'est les tout premiers qu'ils ont sortis, peut-être, mais les derniers, il y a la version 2 et la version 3, hein, la... Ah bon, déjà? D'accord. Oui, donc si c'est la même version, peut-être qu'ils ont peut-être fait quelque chose, hein. Non, je sais pas, aucune idée, quoi. Putain, j'ai un truc qui siffle là sur la fréquence de mon côté, là, c'est pas évident. Tu m'as dit qu'il y avait du monde en QVS au-dessus, on va peut-être pas les déranger. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, là, je sais pas. Hein. Tu veux jeter un coup d'œil? Ouais, c'est le 205, c'est ça? Oui, affirmatif. Allez, c'est parti. Ok, ça marche. Ah, moi, la fréquence est plus propre, oui. 205. Ouais, pour moi, la fréquence est plus propre. Ouais, peut-être qu'il sera à l'écoute, hein, je sais pas. Attention, Chameau, est-ce que t'es en fréquence? Ouais, Chameau, tu es à l'écoute.